وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا نتكلم عن التوبة. أفضل شيء يفعله المسلم لإرضاء ربه عز وجل ألا وهو التوبة النصوح. إن شاء الله mes frères, toujours, on a commencé une série, ça fait à peu près 3 mois ou 4, c'est 3 à Abimotarif, c'est ça, 3 mois, on parle sur le repentir. Parce que le repentir, c'est le meilleur acte que le musulman doit faire pour satisfaire son Seigneur. Al-Muslim, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Kullu bani Adama khatta' wa khayrul khatta'ina at-tawwabun » L'être humain, il fait des erreurs jour et nuit, matin et soir. Et pour corriger ses erreurs et ses fautes, il doit faire un repentir. Ça veut dire qu'il fait les fautes jour et nuit, alors il doit faire un repentir aussi jour et nuit, matin et soir. ولكن قلنا أن المسلم إذا عزم على التوبة سيجد أعداء يمنعونه من التوبة. Le musulman, quand il décide de faire un repentir sincère, il décide de corriger sa relation avec Allah, il se met dans le droit chemin vers le repentir. C'est pas facile d'accéder par la porte de repentir. La porte de repentir, elle est ouverte, mais c'est pas facile d'accéder. Pourquoi ? Il y a des ennemis qui cherchent à t'écarter de ce chemin. Et le premier ennemi, c'est le diable, al-shaytan. فلذلك العلماء قالوا الشيطان يضع في طريق المسلم التائب سبعة أمور سبعة عراقل أو سبع عقبات. Le diable, il te met sept pièges dans le chemin de repentir. Quand tu as décidé de faire un repentir, alors le diable, il va te préparer sept pièges. Le premier piège, il va essayer de te faire tomber dans la mécréance et dans l'association. Si tu commets ce péché, tu annules ta foi et tu tombes dans shirk ou billah, il est content. Il sait que le seul péché qui est impardonnable par Allah Azza wa Jal. Mais si Allah Azza wa Jal, il t'a sauvé, إِذَا نَجَّاكَ اللَّهُ مِنَ الشِّرْكِ بِنُورِ التَّوْحِيدِ Si Allah, il t'a sauvé de ce grand péché, est-ce que le diable, il va croiser ses bras? Là, الشيطان, il va te faire, il va essayer de te faire tomber dans l'innovation, al-bid'ah. Si tu tombes dans l'innovation, il est content. بَعْدَ ذَلِكَ Si Allah Azza wa Jal, il t'a sauvé de ce deuxième piège par la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, alors shaitan, il va te préparer le troisième piège, il va essayer de te faire tomber dans les grands péchés. Il va essayer, yuridu an yusqitaka fil kaba'ir. Si Allah ta'ala il t'a sauvé des grands péchés, ash-shaytan la'anahu Allah, il va essayer de te faire tomber dans les petits péchés. Yusqituka fi as-sagha'ir. Et on a déjà parlé, on a dit qu'il y a des choses, quand le musulman il fait un petit péché, si il rassemble d'autres choses avec ses petits péchés, le petit péché il peut se transformer en un grand péché. Et on a donné un exemple. Par exemple, regarder une femme étrangère, c'est un petit péché. Regarder une femme étrangère, c'est un petit péché. Et on a donné l'exemple. Fumer la chicha, c'est un petit péché. Voler, par exemple, une date, un euro, une bouteille d'eau, c'est un petit péché. Mais si le musulman, il fait ce péché, il le répète jour et nuit, matin et soir, il n'a pas honte d'Allah, il n'a pas de pudeur, alors le fait de répéter le petit péché jour et nuit, matin et soir, le petit péché, il va se transformer en un grand péché. يَتَحَوَّلُ الدَّنْبُ الصَّغِيرُ إِلَى كَبِيرُ Aïdan, on a dit, si le musulman,
il est content de faire ce petit péché. Ida fariha bihadihi al-ma'siya. Quand il regarde une femme, ça lui fait plaisir, il est content, il est heureux. Et s'il rate ce péché, une femme, une belle femme, il passe et lui, il a raté. Il se sent triste. Il se sent triste. Il regrette. Il dit, pourquoi j'ai raté une occasion? Alors le fait de sentir la joie pendant que tu es en train de commettre le petit péché, cette joie qui se trouve dans ton cœur, ça transforme le petit péché à un grand péché. Aussi, la tristesse que tu as sentie dans ton cœur parce que tu as raté un petit péché, là, cette tristesse, ça transforme le petit péché vers un grand péché. Aïdan, al-mujaharatu bil-ma'siyah. Si tu fais le petit péché et tu es fier de le commettre, ou bien tu le fais en secret et tu commences à dévoiler ton petit péché devant tout le monde. Si tu le dévoiles et tu fais en plein public, il y en a des gens, par exemple, on a donné l'exemple de la chicha, il filme la chicha par exemple dans son balcon, à côté des voisins, il fait ça en plein public. Le fait de commettre ce péché en plein public, ça transforme le petit péché à un grand péché. يتحول الذنب الصغير إلى كبير. فلذلك الشيطان لعنه الله. Toujours, il est derrière le musulman. Il ne veut pas te laisser faire un repentir. بعد ذلك, après, si Allah Ta'ala il t'a sauvé, à chaque fois tu fais un petit péché, tu demandes pardon à Allah, tu fais les prières régulièrement, entre la prière et la prière, les petits péchés vont s'effacer, entre le vendredi et le vendredi, les petits péchés vont s'effacer, entre le ramadan et le ramadan, les petits péchés vont s'effacer, alhamdoulilah, toujours tu fais ça, alors shaitan il ne va pas te laisser. يريد أن يسقطك في الانشغال بالمباحات. Shaitan, il va te laisser perdre ton temps dans les choses autorisées. Manger, c'est autorisé. Manger le halal, c'est autorisé. Acheter des habits, c'est autorisé. Acheter une voiture de luxe, c'est autorisé. Acheter une maison, c'est autorisé. Alors Shaitan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser à courir derrière dunya, derrière les choses halal. Je ne parle pas de haram là. Derrière les choses halal. Mon but, je veux acheter une maison. Alors pour acheter une maison sans crédit, moi je ne vais pas faire le haram. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut consacrer beaucoup de temps dans le travail. Alors Shaitan, il va t'embellir cet acte pour que tu consacres beaucoup de temps à dunya et tu vas sacrifier le temps de ta religion. Tu vas sacrifier le temps de ta religion. C'est pour cela, hier, on a parlé sur une qualité très importante. Takallamna an sifa min sifatil mu'minin, ala wa hiya al-qana'a, la suffisance. Le musulman, il doit être satisfait, il doit prendre de ce bas monde les choses qui sont nécessiteuses pour lui. Ad-daruriyat. Si tu commences, au lieu d'acheter, par exemple, un vêtement à 100 euros, tu veux l'acheter à 300 euros. C'est halal, c'est autorisé, c'est pas haram. Mais Shaitan, il est en train de te faire tomber dans ce piège-là. Shaitan, c'est ton cœur. Il s'attache aux choses de luxe. Il s'attache à la marque. Il s'attache à ces choses-là. Même si Allah Ta'ala, il te donne de ses bienfaits, tu vas toujours négliger les bienfaits d'Allah. Tu vas jamais être rassasié. لن تشبع أبدا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. Le prophète عليه الصلاة والسلام, ce hadith il est rapporté par l'imam Muslim عن عبد الله بن عمر بن العاص. Le prophète il nous a dit, il a réussi certes celui qui a embrassé l'islam. Il a réussi, certes, celui qui a embrassé l'islam. Et il a réussi aussi celui qu'Allah lui a donné la suffisance dans son cœur. Tu es satisfait de tout ce qui vient d'Allah Azza wa Jal. Tu ne cherches pas à faire une conquérance avec telle personne qui a un niveau fait dunya plus que toi. Mais tu cherches à faire une conquérance avec quelqu'un qui est mieux dans la religion.
وقنعه الله بما أتاه ورزق كفافا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم faisait un dua. Tout le temps il répète ce dua. كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. Le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il veut demander pour dunya, pour lui, pour ses femmes, pour ses enfants, il dit: Ya Allah, donne-moi un peu d'argent pour manger et boire. Il ne demande pas trop. Ya Allah, donne-moi une somme d'argent, donne-moi une subsistance qui va me suffire, moi et ma famille, pour manger et boire, pour qu'on ne demande pas l'aide des gens. فَلِدَلِكْ الْمُسْلِمِ S'il court derrière les choses halal, jour et nuit, il mange trop, il court derrière le luxe, c'est un piège de shaitan, fais attention. Shaitan, il veut te retarder. Il veut retarder ton repentir. Aïdan, parmi les pièges de shaitan, le sixième piège, أن الشيطان يشغلك بالمفضول عن الفاضل. Oh, ça c'est catastrophique. Shaitan, il te pousse, il va t'embellir un acte d'adoration qui a moins de valeur que l'autre. Par exemple, la prière de Sobh, la prière du matin. Qui est la meilleure, la prière de matin ou bien Tarawih qu'on fait le soir? Hein? La valeur de la prière du matin, c'est mieux que Tarawih, même si tu fais 100 rak'a, 100 unités après l'Isha, c'est rogatoire. La prière de Sobh, elle est mieux que 1000 unités, c'est rogatoire. Alors imagine, Shaitan, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te courager et te motiver à faire les actes surrogatoires et délaisser les actes obligatoires. Il va t'embellir. On donne l'exemple concret d'aujourd'hui. Il va t'embellir. Il va te courager. Il va t'aider. Il va te faciliter à faire la prière de Tarawih jusqu'au bout. Et il va te dire: dors et ne viens pas le matin. Et là, c'est catastrophique. Il y a beaucoup de choses aussi. Il y en a certains, ils préfèrent toujours, Shaitan, il le pousse, au lieu, par exemple, tu veux, par exemple, donner une sadaqa. Tu veux donner une sadaqa. Je vais sortir 50 euros, ou bien, j'achète un pack de lait et je le ramène à la mosquée. Il va te dire, non, le pack de lait, c'est mieux. Toujours, il va te courager à faire le moins. Aïdan, par exemple, j'ai ma mère et j'ai mon père. Je dois les visiter. Est-ce que je dois me déplacer ou bien un coup de téléphone, ça suffit? Il va te dire un coup de téléphone, ça suffit. Regarde, là, tu as le choix entre deux choses. Ça, c'est la meilleure et ça, c'est autorisé, mais c'est moins récompensé. Toujours, Shaitan, il te courage, il va t'embellir l'acte qui est moins récompensé. Et il te fait oublier l'acte qui est plus récompensé. Validez qu'il faut faire attention, surtout pendant Ramadan, le musulman. Par exemple, on va donner un exemple de la mosquée. Le premier rang, il est mieux que le deuxième, mieux que le troisième, mieux. Quand il rentre, il va te dire, mais reste là-bas, t'es tranquille, ne dérange pas les gens. Là-bas, t'es bien, t'es calme. T'as raté quoi là? T'as raté une grande récompense pour une petite récompense. Oui, t'as prié, mais ta récompense et la récompense de quelqu'un qui fait au premier rang, c'est incomparable. C'est incomparable. Mais fait dunya, dans dunya, le matériel éphémère de dunya, il va te dire non. Choisis la meilleure place, choisis le meilleur salaire, choisis la meilleure chose. Mais fait din, il va te courager à choisir toujours le moins. Et ça, on remarque ça jour et nuit dans la mosquée. Des fois, le premier rang, il est vide. Il arrive, le monsieur, il arrive tôt, 1 heure, 2 heures avant la prière. Il reste là-bas et à la fin, il va faire la prière derrière. Et des gens qui vont venir après lui, ils vont venir à la dernière minute, ils vont prier au premier rang. Qui a laissé cet homme-là rester là-bas? C'est le diable. Il lui a dit, c'est bon. C'est pas grave, fais là-bas, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Falida avec le muslim, il fait attention. C'est un piège invisible de Shaitan. Il essaie de te diminuer le maximum. Lui, son but, s'il n'arrive pas
à te faire tomber dans le péché, qu'est-ce qu'il veut? Il essaye de te diminuer la récompense. Il essaye de diminuer ta foi. Il essaye de retarder ta relation avec Allah Azza wa Jal. Il essaye de te reculer. Il essaye de te... Alors, dès que tu vas reculer, accepter, après, il va t'attirer vers le péché. Directement, il va t'attirer vers le péché. Falidali, qu'on fait attention. فاللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم كن لنا وليا ونصيرا وعينا وظهيرا est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce sujet là on m'avait dit de laisser le premier rang à côté de l'imam pour les gens qui connaissent le Coran pour pouvoir aider l'imam voilà regarde quand on dit les premiers rangs ça veut dire les trois là qui sont derrière face d'accord. Mais nous quand on dit le premier rang tu vois ça c'est le premier rang ça veut dire celui qui prie derrière l'imam et celui qui est dans le premier rang, ils ont la même récompense. Sauf que le prophète, il dit, celui qui vient derrière l'imam, les gens doués d'intelligence. Ça veut dire qu'ils connaissent le Coran, qu'ils connaissent comment rectifier la prière. Si par exemple l'imam, il a perdu ses ablutions, ou bien il est tombé, ou bien il est décédé, on ne sait pas. Alors il y a quelqu'un qui va connaître les règles de la prière, comment il continue cette prière, Inch'Allah Azza wa Jalla. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ان شاء الله chaque jour après صبح il y a une conférence comme ça chaque jour inshallah azza wa jal jusqu'à le jour de la fête inshallah فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله